Oh, c'est bien joué. Et bien fait, ça a beaucoup de touchés pour Grégory Le Sort. Et bien ça circule bien ça. Morgan Durand, le sidestep, c'est un long 2 points qui tombe dedans. Le scoring de Marcus Relford, mais on a aussi besoin de Morgan. Oh, Alexis lui, Racine. Morgan Durand qui dégaine longue distance. 3 points pour revenir à égalité. Et finalement, c'est Le Sort qui va retrouver son propre rebond. Son propre rebond. Bon décalage tout là-bas dans le 0 degré. Ça va être court, mais bien suivi. Dessablement des baskets. Brahim Dou. Morgan Durand pour enchaîner. Il a la main chaude dans ce début de match. Mais on sait qu'il lui faut un rien pour prendre confiance et prendre feu. Où il est loin. Ben pour le pont. Quel shoot de Navid Niktash. Il a joué plusieurs Coupes d'Asie, etc. A priori, en Iran, la ligne à 3 points est plus éloignée. Et bien suivi par Bali Koulibaly. Une ambiance cosy pour le moment. Bali, belle passe pour retrouver Charlie. Super mouvement collectif. Il aura cédé à la pression des Pictagoules. Morgan Durand, ouvert. Oh, il ne faut pas le laisser tout seul. Peut-être que Kevin Cam n'est pas le fils de Patrick, mais c'est de son cousin René. Les joueurs des Sables Vendée Basket qu'on connaît forcément moins. N'hésitez pas si vous êtes supporter vendéen. En stage équipe de France 3-3 dès le week-end prochain. Kevin Cam derrière la ligne. Qui va pouvoir jouer. Il a un espace. Il va retrouver Kiss, la claquette. Bien suivi. Toi, avant-dernière de la poule. Oh là, c'est une équipe avec beaucoup de talent, il va pouvoir monter à deux mains. Brahim Dou pour les Vendéens depuis le début de cette rencontre. Bon décalage pour Charlie Pontin, ça a 3 points pour les Sables Vendée Basket. En tout cas, c'est pas, bien allez, va au bout, grand, va au bout. Jim Seymour, la main gauche. Et pour l'instant, Allez, ça ne veut pas pour ce pauvre Imanol Pro. Mais Jim Seymour fait exploser la salle Saint-Elo. Ça double de l'autre côté, il y a Bali. Oh, belle passe pour Badian. Et quand on double comme ça, il faut des rotations à l'opposé. Bali, voilà, bien ça fait. Joue dessous. Super passe, Alexis Largenton. 5 secondes. Oh, il a pris de l'élan. Oh là là. Oui, il a pris de l'élan. Le contact sur le rebond, il a été, semble-t-il, chahuté. C'est du garbage time. Hein. Ah ouais, ça enchaîne les actions. Le temps. C'est ça. Oh, mais bien lancé. Alexis. Il va s'arrêter tranquillement et assurer main droite. Alexis Largenton. Ça arrive pas souvent. Ça arrive pas souvent. D'habitude, le cercle lui en est reconnaissant. Eh ben, Bourgade, lui, en attaque des deux côtés. Il va le jouer un contre un. Il va le jouer un contre un. Ça, c'est son, le step back. Son shoot. C'est son shoot. Bien sûr. On va décaler Kevin Mendy dans le 0 degré qui part en dribble. Retrouver Bali Koulibaly, superbe. Magnifique vision de jeu. Il va rester quelques secondes. Il va falloir créer quelque chose. Retrouver bien joué à l'opposé. C'est une belle position, ça. Très, très bien joué. Belle lecture de place. Ah, c'est réellement le maître à jouer, hein, cette équipe. Lucas Place. Et Sylvain, d'ailleurs, il avait mis 24 points, 6 rebonds, 6 passes à l'aller. Donc le PB 86 lui convient bien. Donc, Kiss Omohera qui va jouer sans doute un contre 1 contre Racine. Il reste 4 secondes. Oh, le speed move, il s'est un peu emmêlé les pinceaux. Un peu trop speed le move. Oh, il y aura une faute. Faute des Sables Vendée Basket. On va remettre ce ballon en jeu, ligne de fond. Et on parlait des 24-6-6 de Lucas Place. Pour l'instant, Sylvain, il est à 0 points. Donc, il n'arrive pas à trouver de solution offensive. Ouais, mais si on fait des 8 à 10 en un quart temps, forcément. Oh, ça, c'est un beau shoot. Et Kisomoera, décidément, mi-distance. Il a été assidu, en fait, au cours du matin pour la technique individuelle. Charlie Pontin, ça sort très fort. Oui, on allez, va allez, le retrouver allez tout seul, bien sûr. Alors ça, c'est un lay-up hein, pour Jonathan Jade. Bien sûr.
Oh, il était monté, il va avoir la faute en plus. Grégory Le Sort, le N1 pour lui. Et d'autant plus en l'absence de Marcus Relford. Oui, bien sûr, bien sûr. Bien retrouvé. Allez, Jonathan Jeannot, non, il n'a pas pu monter au dunk. À mon avis, c'est pas son prénom, APE. Oh, il est parti. Oh, oh mon Dieu, oh, il a sauté de tellement loin. Oh, Brahim Delou contre du géant. Oh, pour lui répondre. Kissé Moera. Oh, bien fait. Oh, quel alley-oop pour Brahim Delou. De sortie de fin de carton. Ouf. Oh là, il y avait presque faute. Eh bien, défendu par Emmanuel Pro. 10 secondes. Eh bien, encore une fois, le backdoor. Oh là là là, oh, super. Là, là. Et quelle il est hauteur. Totalement en feu. Allez, Emmanuel. Allez, Emmanuel. Oui, bah, oui, bien allez. Bien sûr, il est tout seul. Bien sûr. À la ligne. Bah, on s'en rend pas compte, mais il y a beaucoup de déchets hein, du côté du bien du décalé. PB. Superbe. Kevin Mendy, il faut conclure cette action. Eh bien, voilà, on demandait de l'adresse extérieure. PB d'avoir 12 points d'avance sur son adversaire du soir. On descend rapidement à 10 avec Lucas Place. Morgan Durand à 0 degré. Et bien voilà Morgan Durand. Pas de passe pour Grégory Le Sort. Il s'est faufilé dans la oui. raquette Poitvine et il va finir main gauche. Allez Jonathan, allez Jonathan. Oui, super. Allez boum. Magnifique. Intelligemment passé ça de la part de Jonathan. Allez Morgan, là il y a un surnombre avec le géant Jonathan. Et voilà Morgan Durand qui lance sur la piste Jonathan Jeannot pour un décollage immédiat. Grosse victoire, ce qui a relancé. Et aujourd'hui le PB 86 oh là, quelle action va se retrouver en poule haute. Lucas Place, oh, décidément ça veut allez, pas. Allez, il allez, a joué la carotte. Kevin Mendy, tout en douceur. Alors, ça veut dire deux choses. Ça veut dire que jouer la poule haute, c'est peut-être jouer une montée directe. Superbe. Mais ça veut aussi dire la certitude. Merci pour tous vos compliments, les gars. Kevin Cam à 3 points. Ça y est, c'est fait. Officiellement, le PB 86 est en poule haute. Le PB 86 va, comme l'an dernier, avoir l'opportunité de jouer la montée directe en Pro B ou bien d'être reversé en play-off pour avoir une seconde chance de rejoindre la deuxième division française. Il y aura du boulot, beaucoup de boulot pour ces joueurs Poitevin, mais l'opportunité est là